Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une vidéo sur Dirt Rally avec une mise à jour qui a eu lieu bien entendu il y a quelques temps de ça, avec donc l'arrivée de l'Alpine A110 dans le jeu. Je crois que ça a été fait pendant au moment de l'arrivée sur console tout simplement. Et donc vu que j'ai eu un peu de temps cette semaine, je n'avais tout simplement pas eu l'occasion d'essayer cette Renault Alpine. Et puis c'est une super vidéo de Franck Conen, donc Angel m'a montré, où il essaye l'Alpine A110 et puis la R5 Turbo. Donc j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo sur un Monte Carlo des années 60, tout simplement avec bien entendu des voitures de légende à cette époque-là. Et on en retrouve trois donc dans Dirt sur la catégorie années 60 avec l'Austin Mini. Qui a gagné à trois reprises le Monte Carlo, là l'ancien Fulvia, et ainsi que l'Alpine A110 qui dans les années 60 elle n'a pas gagné, mais a gagné en 71 avec Anderson et a gagné ensuite en 73 avec un certain Andruet. Donc une voiture donc dans Dirt que j'essayais donc pour la première fois. J'avais déjà essayé la Mini puisque de base le jeu me proposait la Mini et la Fulvia. Donc, qui sont des voitures, bien entendu, avec des beaucoup moins de chevaux que ce qu'on voit aujourd'hui en WRC. Mais des voitures néanmoins très plaisantes. Cette Alpine A110 faisait seulement 150 chevaux. La Mini en faisait que 61. Donc, c'était vraiment un autre monde avec les 300 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui en WRC. Sachant qu'en 2017, donc, le championnat WRC l'a changé et les voitures ont repassé à 350 chevaux. Mais aussi très loin, bien entendu, de ce qu'on avait lors du fameux et légendaire groupe B avec l'Audi S1 ou les 205 turbos. Donc c'était vraiment un autre monde dans les années 60, mais néanmoins des championnats absolument exceptionnels, puisqu'on sait, c'est vraiment le début du rallye, et c'est notamment en 73 vraiment où ça a changé, puisque c'est vraiment la date clé où d'ailleurs Renault et Alpine ont été champions du monde en cette année-là, parce que c'était la première année donc qu'ils avaient rebaptisé le nom, c'était donc devenu le championnat mondial des rallyes pour marque. Et donc du coup, seconde victoire en championnat pour Renault donc, et Alpine après celle de 71. Et les deux fois donc vainqueurs au Monte Carlo avec une voiture absolument magnifique, celle qui restera. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre et elle est vraiment, on la trouve à des prix absolument exorbitants aujourd'hui, et notamment dans des versions spéciales et notamment des versions qui ont les livrées, qui ont fait de le Monte Carlo, qui sont des versions estimées à des prix absolument phénoménaux. Mais pour une voiture en fait qui a été produite dans les années 60 jusqu'à 78 il me semble, ça reste une voiture de légende absolument magnifique. Et c'est vrai que même la 310 qui a suivi la A110 n'a pas eu autant de succès que cette berlinette, parce que c'était tout simplement une petite révolution. C'est une voiture à propulsion quand même, cette Alpine. Il faut souligner, et puis elle marque vraiment un virage quand même très très important, on va dire assez novateur finalement, avec vraiment déjà un look copié par Matra avec la Matra Jet, puis aussi un châssis absolument exemplaire. Et puis même aujourd'hui quand même ça reste une voiture absolument magnifique. Donc produite à 7176 exemplaires exactement et fabriquée à Dieppe. Voilà, avec donc une cylindrée, 4 cylindres en ligne, avec des cylindrées allant de 956 cm3 à 1800 cm3. Et une puissance donc allant de 55 à 250 chevaux avec la version rallye turbo, donc pas celle-là, celle de ce Monte Carlo 71 et 73 piloté par Anderson et Andruet faisait tout simplement 150 chevaux, 155 exactement, et elles étaient classées en classe 1, c'est-à-dire groupe 4, voiture de grand tourisme. Pour revenir à Dirt, donc c'est vrai que Dirt, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu l'occasion de jouer, et c'est vrai que j'avais pas joué depuis cette fameuse mise à jour. Et donc dans la vidéo de Franck Conen, donc qui est absolument excellente, il nous dit que donc lui qui est un habitué nous dit que le gameplay a énormément changé et a été facilité pendant la transition qui s'est passée, la migration de Dirt sur console.
Et c'est vrai que c'est assez hallucinant comme... donc avant de prendre l'Alpine à 110 et de faire une vidéo hein, sur le Monte Carlo, je suis allé un peu dans le jeu, regarder un peu ce qui s'était passé, ce qui avait changé, donc rien de phénoménal, hein, juste quelques nouveautés en voiture dans celle-ci. Et donc eh bien, j'ai essayé, donc, ce qui vous avait dit que Pikes Peak était donc... avait été facilité pour avoir moins de difficultés. Alors c'est quelque chose que j'avais dit et répété, c'est vrai que Pikes Peak était peut-être l'épreuve la plus exigeante dans un jeu vidéo, une simulation auto, plus que tout ce qu'il puisse y avoir, notamment la conduite de la 208 à Sébastien Loeb. C'est vrai que c'était absolument hallucinant, même de prendre la 405 T16 ou alors l'Audi S1 Quattro. C'est vrai que c'était très très compliqué, il fallait beaucoup de temps pour s'adapter, pour se mettre au point et arriver à faire une monte correcte avec notamment beaucoup de check-down. Et après, une fois l'épreuve bien repérée, surtout quand on passe les vitesses en manuel, eh bien, on arrivait à faire plus ou moins quelque chose sans pouvoir aller pour autant taper un chrono vraiment phénoménal. Et bien là, c'est vrai que c'est hallucinant et c'est un peu navrant, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'était vraiment le but et le plaisir de Dirt, hein, c'était d'avoir vraiment une difficulté très élevée. Ils nous ont vraiment rabaissé la difficulté du high climb, notamment à Pikes Peak. Alors c'est vrai que Pikes Peak dans Dirt, c'est un peu, on va dire, une petite cerise sur le gâteau, hein. C'est mis à un mode de jeu, il n'y a pas de carrière à faire, il n'y a rien du tout, c'est vraiment un petit plus qui fait plaisir. Néanmoins, c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a vraiment moi, chauffé pour acheter Dirt quand il est sorti l'an dernier sur PC. Quand j'ai vu qu'il y avait du Hell Climb à Pikes Peak, ça m'a rappelé, comme je vous l'ai dit, Rallycross Challenge sur la première Xbox du nom. Donc du coup, j'avais foncé et j'avais trouvé ça vraiment génial comme idée, mais c'est vrai que c'est pas poussé. Mais là, du coup, eh bien, c'est vrai que c'est un peu moins excitant, hein, puisque la voiture, eh bien, c'est presque, on dirait presque qu'elle est sur un rail, c'est presque très compliqué. Bon, après, bien entendu, vous pourrez toujours nous sortir, il n'y a pas de souci là-dessus, surtout à Pikes Peak. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus évident à conduire sur cette nouvelle mise à jour. Et le rallye a été un peu touché aussi, j'ai l'impression, par cette nouvelle mage, notamment le WRC, où on sent vraiment qu'il y a bien une petite facilité pour permettre à tous les joueurs d'avoir accès à la simulation auto. Alors attention à Dirt et à Codemaster de ne pas tomber dans ce jeu-là. Hein. C'est vrai que Dirt a eu de très bonnes appréciations et finalement est arrivé et débarqué comme peut-être l'un des meilleurs jeux de rallye qu'il puisse y avoir et qu'il y eut avec les Colin McRae et tout ça. Attention de ne pas dériver arcade, c'est vrai qu'on avait un jeu vraiment poussé simulation rallye comme on l'avait quasiment jamais vu sur PC. Et puis là, finalement, bien vu qu'on veut toucher un plus grand public, bon, mais ce qui est normal parce que le jeu sur console, a priori, n'est pas une franche réussite et il n'y a pas autant de ventes qu'il le souhaiterait. Et du coup, eh bien, on se retrouve voilà, avec un jeu qui est censé plaire à tout le monde. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas droit à une petite alternative de la part de Codemasters, du genre choisir tout simplement le mode que l'on souhaite en début de jeu quand on lance le jeu, et puis après dans les paramètres avec vraiment un mode qui vous dit eh bien est-ce que vous voulez un mode de conduite professionnelle, donc où il y a quasiment toutes les aides qui sont désactivées et on retrouve vraiment une simulation comme on avait au début, ou alors un second mode où vraiment là oui on a un jeu un peu plus typé arcade avec une facilité de conduite un peu plus déconcertante. Ça serait pas mal. Donc pour pousser un peu la difficulté un peu plus loin donc sur le jeu et pour prendre plus de plaisir dans cette vidéo, j'ai décidé de passer les vitesses en H à l'embrayage, sachant que bien entendu ces voitures n'avaient pas la boîte séquentielle à l'époque et nous, encore moins les vitesses au volant comme on retrouve aujourd'hui et sur les WRC modernes depuis 2007 il me semble que Ford avec la Focus avait déjà les palettes au volant en 2007. Donc voilà, j'ai décidé de passer avec l'embrayage et c'est vrai que c'est une méthode de conduite beaucoup plus jouissive, on va dire, et beaucoup plus technique et beaucoup plus compliquée à trouver l'embrayage, et notamment le départ, parce que personnellement je n'ai plus de voiture dans la vie avec une boîte de vitesse, j'ai une boîte automatique. Donc c'est compliqué de retrouver par exemple au départ du rallye,
Eh bien, tout simplement, a trouvé le point de patinage et s'est lancé au bon moment. Parce que si tout simplement vous lâchez l'embrayage un peu trop tôt, la voiture cale. Donc, c'est vraiment une petite technique à reprendre et c'est vraiment pas évident. Mais une fois qu'on a retrouvé le coup de main de passer les vitesses à l'embrayage, c'est absolument génialissime. Et on retrouve un peu peut-être la difficulté qui nous manquait avec de passer les palettes au volant en séquentiel. On retrouve la difficulté un peu de dirt et le plaisir immense qu'on a de jouer à ce jeu. Je pense qu'il y a, pour moi personnellement, il n'y a pas d'autre jeu où je m'éclate autant que dirt. Parce que voilà, en fait, par rapport au jeu comme Race Room, qui est. J'ai beaucoup fait de louanges à propos de Race Room, mais c'est un jeu de circuit, donc c'est moins finalement des fouloirs. Faut faire soit une course, il y a peut-être le mode pareil. Course de côte qui est ce Race Room un peu plus on va dire défouloir à prendre une voiture, faire une petite monte et voilà, ça fait bien plaisir. Sur F1 c'est pareil, hein, faut faire une course, donc c'est pas évident. Assetto Corsa, enfin tous ces jeux là c'est pareil, alors que là dirt, eh bien voilà, on fait une petite spéciale de rallye, on fait un petit Pikes Peak, on fait un petit tour de rallye cross. Et finalement, on se retrouve plus avec quelque chose de la vie de tous les jours, finalement, de prendre du plaisir quand on est avec une voiture, enfin voilà, une voiture un peu sportive sur une route nationale. Et du coup, eh bien, on s'éclate plus sur dirt. C'est vraiment différent. Et rentrer le soir et se faire même si c'est pas long, mais une petite demi-heure, eh bien, c'est vraiment sur dirt, vraiment le défouloir parfait. Donc sur ce dirt, hein, vous l'avez vu, le Monte Carlo, hein, qui aborde énormément. On est quand on est du coin un peu comme moi et qu'on est allé plusieurs fois au Monte Carlo, on reconnaît très bien entendu tous les côtés du Turini, hein, avec vraiment tous les alentours, que ce soit le Pradala, la vallée descendante ou alors le côté montant. On reconnaît vraiment très bien le quartier. Alors c'est vrai que c'est pas très diversifié, hein, parce que vous l'avez vu, les spéciales sont différentes, il y a des sprints, il y a des longues. Mais à chaque fois, on repasse bien souvent par ce fameux col du Turini. C'est vrai que ça serait sympa d'avoir un peu plus poussé aussi la descente entre la Bolène Vésubie et l'Antosque. Et donc, on verra pourquoi pas. J'aimerais bien que Codemasters nous sorte un peu plus de rallye déjà en général, donc avec plus d'épreuves, mais aussi peut-être bien si ça ce n'est pas possible, parce qu'on sait que c'est très compliqué à aller bien entendu aux quatre coins du monde faire des repérages. C'est resté bien entendu en Europe, hein, avec le Pays de Galles, la Suède, la Finlande, la Grèce et le Monte Carlo. Faire des repérages par exemple en Australie, ça coûte bien entendu très très cher, en Argentine aussi. Et donc du coup, pourquoi pas continuer à faire des repérages sur Monaco et faire plus de spécial, ou alors par exemple dans le Champs-Sort au-dessus de Gap. Donc ça serait très intéressant. Néanmoins, la plupart des épreuves que l'on retrouve sur Dirt avec le Monte Carlo sont très bien quand même, et on les reconnaît absolument parfaitement. Donc il n'y a rien à dire, Dirt ça reste un excellent jeu, et ce mode années 60 avec cette Alpine m'a procuré bien entendu autant de plaisir. Donc vous allez comprendre pourquoi ce titre, pourquoi en mode Robert Kubica, tout simplement parce que le pilote polonais à qui on a voué une grande carrière en Formule 1 avant ce terrible accident de 2008 à Montréal, et puis après il a signé bien entendu de succès, mais vraiment le fait marquant c'est qu'il s'est sorti violemment en rallye et s'était bien amoché le poignet. Et bien du coup on retrouve avec une Ford Focus WRC avec le sponsor Lotto dessus, il est inloupable, et c'est vrai que c'est un pilote absolument exceptionnel qui donne tout mais qui a du mal à vraiment finir les rallyes à chaque fois. Et donc on a toujours de grandes ambitions sur Robert Kubica en début de saison, et puis en chaque début de rallye, on le voit notamment sur l'asphalte, il roule vraiment très 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 fort. Et bien puis là, ben voilà, j'ai fait un peu une action à la Kubica sur ce Monte Carlo, dont avec cette difficulté, donc en professionnel, je gérais parfaitement ma sauce et j'étais en avance sur mes concurrents.
Eh bien, vous allez voir que j'ai fait une grosse boule, une bourde, une boulette. Je me suis vraiment bien sorti. Et quand on se sort sur dirt, il n'y a pas de deuxième chance. La voiture est cassée et le rallye est donc terminé. Il n'y a pas à utiliser les replays ou remettre la voiture sur les rails. Le rallye, c'est terminé là pour moi. Donc voilà, en mode vraiment Kubica. Et c'est bien dommage, hein, parce que Kubica, qui est un pilote qui a énormément de talent, on le sait, hein, que ce soit en WRC ou... Et c'est tout là, finalement, le talent du rallye. C'est de vraiment d'arriver à finir un rallye en roulant très fort, quasiment du début jusqu'à la fin, et en étant performant sur toute la durée du rallye. Et être vraiment de A à Z parfait. Et c'est vrai que Sébastien Loeb était parfait à ce petit jeu-là. Il a rarement fait d'erreur. Et finalement, Sébastien Ogier a l'air d'avoir ces qualités-là aussi. Et c'est vrai qu'on aimerait bien retrouver également en rallye, un peu comme en F1, finalement, un peu plus de concurrence. Qui en manque cruellement à notre pilote français sur sa Polo WRC. Donc eh bien voilà, abandon, donc cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis bien nous on va se retrouver dimanche pour clôturer cette saison de F1 sur le magnifique tracé d'Abu Dhabi. Allez, très bonne journée à tous, allez à bientôt.